La grande storyline de la Bloodline a atteint un nouveau pic. 3 années de construction pour arriver à ce moment tant attendu, ce moment historique où Roman Reigns a subi son premier tombé depuis décembre 2019 lors de TLC contre notre héros à tous, Baron Corbin. Michael Cole l'a dit de sa belle voix, Roman Reigns est humain, il peut perdre. Et même si le championnat à disputer est toujours autour de sa taille, l'espoir de le voir terminer le plus long règne de l'ère moderne est peut-être on ne peut plus proche. Une sentence très très lourde, subie de son propre sang, son cousin en la personne de Jey Uso. Quand le catch dépasse son propre cadre et devient, comme le dit un certain Martin Scorsese, du cinéma. Money in the Bank 2023, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, salut à tous, c'est Sturi, l'heure est enfin arrivée de parler de cette édition 2023 de Money in the Bank qui s'est tenue dans la soirée. Ah oui, la soirée. Du samedi 1er juillet depuis la O2 Arena de Londres, horaire totalement idéal pour nos amis européens, une ambiance britannique exceptionnelle comme on les aime et comme on pouvait s'y attendre. Pour un événement toujours aussi anticipé qu'on qualifie même dans le Big Five des pay-per-view WWE, deux nouvelles mallettes allaient être remportées pour conférer un title shot à celui et celle qui les décrocherait à n'importe quel moment dans l'année. Seth Rollins qui défend son championnat World Heavyweight pour déjà la 3ème fois en un mois contre Finn Balor et surtout le conflit de la Bloodline, la guerre civile, Roman Reigns et Solo Sikoa contre Jay et Jimmy Uso. Pas de championnat en jeu, mais les enjeux, ils sont colossaux dans cette guerre d'influence au sein de la famille dominante de WWE. Vous l'aurez compris, on en a parlé dans l'intro, on en reparlera tout à l'heure, un moment qui sera définitivement le pinacle de la soirée. Mais on n'en parle pas tout de suite parce que actu et remerciement oblige. La raison pour laquelle je sors cette review aussi tard, c'est que le week-end passé, Ludivine et moi-même étions reçus au Japan Tour Festival les vendredis 30 juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet. Nous sommes venus pour l'occasion à votre rencontre dans un excellent contexte qui nous a permis de prendre un peu plus de temps, de vous parler, de vous découvrir. Encore une fois, un super moment que je qualifie de très important pour un créateur et en discutant avec pas mal d'entre vous, j'ai été surpris que beaucoup étiez devenus fans il y a un an seulement. Et principalement, ça peut s'expliquer grâce à la forte exposition du catch sur les réseaux sociaux, de la storyline de la Bloodline, et oui, encore elle, qui vous fait revenir de semaine en semaine. Le catch est de moins en moins abordé comme un faux sport, comme on pouvait le lire à l'époque, mais bien plus comme un univers RP où des combattants de tout horizon partent en compétition en quête de gloire dans un esprit très shonen, pour reprendre un terme de la japanime. Bref, encore un immense merci pour ces 3 jours avec des rencontres très touchantes. Et je parle pas seulement que de la thémie que j'ai pu mettre au cosplay de Matt Riddle. Vous veniez pour certains de très très loin, les files de dédicaces étaient toujours remplies. Je m'excuse d'ailleurs auprès de ceux que je n'ai pas pu rencontrer. On a eu aussi une super conférence avec Fred que vous connaissez peut-être sous le nom de Sparadra dans la série Noob. Une super rencontre avec Otabunka qui partage sa passion des animes sur TikTok entre autres et qui est devenu lui aussi fan de catch il y a à peu près un an. Un super moment dont on reparlera prochainement en live sur Twitch. Merci à Shana Ross pour toutes ses photos avec aussi un... Et oui, un cosplay de Michel Beaujolais. Ah, plutôt bien fait, c'est assez joli. Oh non, ça va, mais je vous ai pas sonné, vous. Y'a pas d'erreur arbitrale, là, qu'est-ce que vous foutez là ? C'est pas parce que je dis votre nom que vous devez popper à n'importe quel moment de mes vidéos. Ouais, ça va, calmez-vous, je viens juste prendre des nouvelles, savoir si le clip musical, là, il vous a plu, et si vous avez bien reçu mes photos à dédicacer. Ah, ça, on peut le dire, hein, je les ai bien eues, vos photos. Bah, elles ont toutes été signées. Mais elles ont été signées par moi, ça a aucun sens, espèce de neuneu. Non, on va pas demander à Christophe Ajus de dédicacer des photos de Philippe Chirot. C'est simple, il fallait signer Michel. C'est... Hein ? Non, arrêtez, dégagez. Foutez-moi le camp. Je veux plus vous voir. C'est... Comprenez pourquoi vous le voyez moins ? Bon allez, Money in the Bank, premier combat, le Money in the Bank masculin qui opposait Ricochet, Santos Escobar, Ibilu, Damien Priest, à très Ibilu pour le coup, Shinsuke Nakamura, Butch, LA Knight, yeah, et Logan Paul. 7 participants, 20 minutes de match avec un public chaud patate. Le tout est passé relativement vite, même si niveau spot un peu zinzin, on a connu des Money in the Bank un peu plus spectaculaires. Mention spéciale, cela dit, à Butch.
qui nous a tout de même sorti un moonsault depuis le haut de l'échelle. Le 450 de Ricochet et le Frog Splash de Logan Paul n'ont rien cassé à part eux-mêmes. C'est resté en somme assez classique, avec ceci dit un storytelling plutôt efficace qui a vu de la hit massive que continue de susciter Logan Paul. On a eu d'ailleurs le droit à un chouette moment punitif pour la sociale mégastar de YouTube, dont la fin d'alliance avec Damien Priest a obtenu un dénouement plutôt satisfaisant. Le point fort de ce match est sans doute les différentes pistes d'histoire à exploiter pour la suite, puisqu'on risque de se diriger vers un programme entre Logan Paul et Ricochet. Ah oui, Ricochet. Un spot super ambitieux qui devait voir les deux hommes rebondir d'une échelle sur une corde vers un Spanish Fly à travers des tables ne s'est pas passé sans encombre. Ricochet a finalement entraîné Logan Paul vers sa destination de manière totalement violente, et les deux hommes ont fini tête première dans le décor. On saluera le gros travail des arbitres pour avoir pris immédiatement soin de Logan Paul, et bien moins pour Ricochet. Hein, ça étonne qui ? Santos Escobar et Shinsuke Nakamura ont ma foi été un peu discrets sur le combat. Le sprint final a surtout concerné Butch, qui se fera projeter du haut de l'échelle vers une autre installée dans le coin par Damien Priest, et tout laissait penser que le grand moment de LA Knight, yeah, allait avoir lieu quand Damien Priest, encore lui, a surgi de nulle part pour le faire chuter lourdement et devenir Senior Money in the Bank. Senior, il va falloir l'appeler comme ça. Malgré la vie populaire, un choix de booking final très intéressant qui laisse supposer que LA Knight, en position de runner-up, tournera babyface naturellement et ira, je l'espère, chercher le championnat des États-Unis d'Austin Theory qui sert pas à grand-chose. Et la victoire de Damien Priest jettera un peu plus d'huile sur le feu dans ce qui se passe du côté du Judgment Day, mettant ainsi Damien Priest en position de force si jamais Finn Balor ne bat pas Seth Rollins plus tard dans la soirée. Bravo messieurs, bravo Ibilu, enfin Damien Priest. Ah ouais, je dis Ibilu, mais j'espère qu'il va pas devenir aussi chiant que lui chez New Japan. Pour ma note, je mettrai un bon 3 étoiles 3 quarts, une belle manière de lancer les hostilités à Londres. Un peu moins d'excitation sert pour le seul championnat féminin défendu de la soirée, Shayna Baszler et Ronda Majin Rousey. Joli ref, et bel outfit de Vegeta. Parfait pour aller en convention. Défendre contre le projet midcard Liv Morgan et Raquel Tag Team Rodriguez, 9 minutes descente d'action au quai tiers. Oui, y'a rien de foufou et y'a rien de pas foufou. La seule chose à retenir de ce combat, c'est la chose qu'on avait absolument pas vu venir à des kilomètres, Shayna Baszler a tourné sur Ronda Rousey. Et ouais. Ah ouais, même Liv Morgan, c'est acting sur 20, des chants yes dans le public. Et ce qui est fou, c'est que le turn fait pas énormément de sens, parce que une minute avant, Shayna Baszler, elle a sauvé Ronda Rousey qui s'était pris une avalanche powerbomb de Raquel, 1-2, et heureusement que Shayna était là. Et là, ça lui posait pas de problème de l'aider. Et il y a strictement rien qui avait été teasé en weekly, Shayna Baszler, elle a juste abandonné Ronda, qui se fera enchaîner par Raquel et Liv, qui repartiront de Londres, championne et certainement très fière de repartir feuder avec Sonya Deville et Chelsea Green. Oui, bon, ça va, je spoil un petit peu Rome, on voulait pas. Bon, visiblement, ce turn de Baszler, selon les Dirt Sheets, encore eux, le Wrestling Observer, n'est absolument pas anodin. Ronda Rousey pourrait s'absenter cette année, et ce peut-être de manière définitive. Je vous laisserai le soin de voir l'excellente promo de Shayna Baszler à Raw. On part sur un programme très personnel, ici derrière ça peut enfin élever Baszler qui patauge dans le main roster depuis plus de 3 ans, hein, bah j'avoue je serai pas contre. Allez, je mettrai 2 étoiles et demie pour le match, en partie sur le turn qui amène sa valeur choc, mais je suis déjà fataliste pour l'avenir et le prestige des titres par équipe féminin, si de base il y en avait un. Il y en avait un ? Allez, on remonte d'un cran au niveau excitation, championnat intercontinental en jeu, le ring général Gunther défend contre Matt Riddle. Les claquettes, les merlus, la dédicace de Sturi sur le short, et ben c'était simple et efficace. Ah, pas le banger intersidéral qu'on a connu avec Sheamus quelques mois auparavant, ou même celui auquel on pouvait s'attendre. Riddle est explosif, Gunther exploite la blessure à la cheville de Riddle, ça se termine sur une victoire du champion ultra clean après une série de chops monstrueuses sur le talon blessé de Riddle. Ça c'était très cool. Moment visuel, une heel hook, Riddle tape, merci bonsoir, et pour moi ça fait 3 étoiles. Bon, pour le coup, il n'y a absolument rien d'autre à signaler, Matt Riddle il a fait moins bien que Mustafa Ali qui, je le rappelle, avait 0 build-up avant d'aller affronter Gunther. Mais attention Riddle, il a quand même fait quelque chose d'important, une transition avec le prochain challenger de Gunther en la personne du kebabier. Allez, le retour, les surprises, la shock value, salade tomate oignon, Drew McIntyre absent depuis WrestleMania, nous a-t-on rapporté pour des raisons contractuelles? Bah visiblement, ça semble réglé, le Vlad tout beau tout frais à faire un face-à-face avec Gunther et à le plier sur un claymore kick. Alors, chose un peu amusante, en conférence de presse, Triple H, il a dit au sujet de Drew McIntyre qu'il avait lu plein de trucs, hein, au sujet de son contrat, tout ça, et il a dit bah vous avez vu, bah il est là. Ah, Internet et ses rumeurs. Bon, ok, c'est facile à dire une fois que les accords ont été trouvés, mais c'est possible aussi que les spéculations étaient totalement fausses. Triple H, il nous a dit que Drew McIntyre est récupéré d'une blessure, qu'il avait des trucs perso à régler. Et nous voilà donc avec une affiche McIntyre-Gunther, toute fraîche, toute belle, pour ce SummerSlam. Ça risque d'être bien. Jeudi
digresse sur un point cela dit nécessaire à mon sens. Le format des PLEWWE reste assez similaire depuis que Monsieur Khan, le fameux, est dans les parages. Entre chaque match, des longs clips qui permettent toujours d'avoir de la sponsor pour tout le monde, de la pub pour Peacock, et toujours au final pas mal de temps pour souffler. Au final, Money in the Bank a duré un peu moins de 4 heures avec 7 combats au programme. Beaucoup de combats autour des 10 minutes, 20 minutes pour les ladder match et plus de 30 pour le main event. Mais bon, ça on s'en doutait. Et ben si le championnat intercontinental paraissait être un prétexte pour un retour, celui de McIntyre, le combat qui va opposer Cody Rhodes à Dominic Mysterio est passé totalement pour anecdotique. 8 minutes de match et vraiment rien à signaler. À part Cody Rhodes qui est toujours aussi over, Dominic qui est super conspué, Rhea Ripley qui est magnifique, le match en réalité c'est Domi qui cherche à s'enfuir et qui n'offre pas grand chose pour être pris au sérieux. Malgré les interventions de Rhea Ripley pour faire un faux suspense à base de roll-up, eh oui, Cody Rhodes il va dérouler les trademarks 1, 2, 3 et puis on n'en parle plus quoi, tout le monde rentre chez soi, voilà. 2 étoiles, bon... Non, c'est un peu décevant, c'est histoire de voir Cody Rhodes, on aurait pu faire ça en weekly, sincèrement. On comprend que WWE, dans leur écriture, ils avaient un peu séparé le Judgment Day ces dernières semaines, laissant Dominic en paire avec Rhea, assez loin de Finn Balor et Damien Priest, et on comprend que désormais, depuis que Damien Priest a la mallette, on va tenter de rapprocher tout le monde. On va pas laisser Dominic Mysterio en feud avec Cody Rhodes. Cody, lui, la suite, elle était déjà trouvée. Bah oui, c'est Brock Lesnar, et ça aussi, bah je vous laisse regarder Monday Night Raw, mais vous vous doutez, on est... Voilà, ça part là-dessus pour SummerSlam. Non, j'avoue, c'est un petit peu décevant, surtout avec la hit colossale que suscite Dominic Mysterio. Je pense qu'on aurait pu jouer sur un petit peu plus de choc. Bon, et si on profitait de cette chaleur londonienne, puisqu'ici la foule reste bouillante, malgré que les deux derniers matchs n'étaient pas aussi excitants qu'ils pouvaient l'être, WWE, ils ont décidé de nous sortir de nulle part John Cena. Ah oui, le John Cena, il est là, bah il va bien. L'accueil, il est totalement fou, lui-même, il est encore surpris à base de « Ah bah, vous chantez plus Cena Sox ?» Bah non, on chante plus Cena Sox, on sait que t'es pas de retour pour aller squasher Gunther, ou pour finir les shows en mode Cena wins lol. Et ça, lui, il en a conscience, nous on en a conscience, alors voilà, on est content de te voir parce que t'étais pas annoncé. Bon, et Cena, il revient principalement pour mettre over la foule de Londres. Bah c'est bien connu, les shows à Londres, c'est une foule sauvage qui aime attirer l'attention sur elle. Il y a même quelques années, ça rebutait presque WWE d'aller dans ce genre d'endroit un peu trop... edgy, avec des foules un peu trop smart et on a compris que depuis le temps, la tendance s'est enfin inversée. Enfin. Non mais en plus de ça, excusez-moi le cliché, mais Londres, ils ont jamais été une foule sauvage, ils ont juste été super enthousiastes du début jusqu'à la fin. Donc John Cena, il a été en réalité envoyé en première ligne pour reconnaître que le public est totalement génial et déclarer vouloir ramener WrestleMania à Londres. À Londres! Imagine la réaction du public, l'engouement, il est terrible. Imaginez un stade comme Wembley, 70 000 personnes, ce... Hein? Ah oui, ça... Bon, je vous lisais entre les lignes, hein, je vais pas vous faire un dessin. Alors John Cena, il a rajouté « Hey, je milite pour un WrestleMania à Londres, mais vous comprenez, les décideurs !» Le mec legit, il a fait les décideurs, il aurait pu le faire comme Bigard, ça aurait été pareil. C'est pas moi qui décide, donc allez-y, faites du bruit. Donc imaginez, bien sûr, Londres, là, ils s'exécutent, ils font du bruit. Et puis sincèrement, John Cena, tu vas pas arriver pour hyper un tel truc si ça se fait pas. Genre des mecs, imagine Drew McIntyre ou Cody Rhodes, ils se pointaient pour dire en France « Hey, on ferait pas un premium live event ici pour déconner ?» Hein, ça va se faire, hein, c'est... Là aussi, tu lis entre les lignes. Bon alors, v'là Grayson Waller, parce qu'il faut bien que ça s'arrête ce segment. Bah oui, Austin Theory 2.0, les gens ils lui gueulent « Who are you ?» Bah évidemment qu'ils vont demander qui il est celui-là, il anime des talk shows depuis qu'il est dans le main roster. Et Grayson Waller, il nous fait tout plein de compliments à John Cena, « Mec, t'es super, tes films, Scooby-Doo, voilà, incroyable. » Mais excuse-moi, WrestleMania Londres, c'est pas terrible, ça envoie pas du rêve, il pleut, il fait dégueulasse, alors que moi, ouais, je connais un endroit où il y a la plage, les filles, les bikinis, les... Hein, l'Australie. Si t'as pas compris, il est australien. Et Grayson Waller, il suggère de faire un WrestleMania Australia. Et ça, évidemment, ça eu à Londres. On vient de leur annoncer, WrestleMania Londres, note, hein. Et John Cena, il approuve pas non plus. Non mais t'imagines, un instant, la balle qu'ils ont mis à tout le peuple australien. Là, il y a des Australiens, ils se sont dit, oh, on va faire WrestleMania chez nous. Ça nous changera de ce qu'on avait vu il y a 5 ans avec l'Iconix, le Taker Triple H à bout de souffle. Non, c'est mort. Angleterre 1, Australie 0. Bref, je vais pas vous faire un dessin sur la fin. John Cena, il se fait attaquer par Grayson Waller, il se venge, il lui porte un attitude adjustment, les gens sont contents. Malheureusement, il semblerait que pour John Cena, ça soit un one-shot. Enfin, je dis malheureusement, j'en sais rien, moi, à votre appréciation. Mais le segment est un petit peu long. Tout ça, pour ça, c'est peut-être un petit peu long.
Bon, il me reste 3 combats sur la carte, mais avant, un dernier petit détour côté actu pour ceux qui me suivent sur Twitch. Vous étiez certainement un peu informés, mais ça y est, c'est officiel, vendredi 7 juillet à 20h, diffusion unique et gratuite du dernier show Bodiesel Wrestling Joe et Janela European Vacation que j'ai eu la chance le mois dernier de commenter en live depuis Fashtumanil. Le show est également disponible sur Bodiesel Wrestling Plus dans leur abonnement à 15€ par an. 15€ par an, hein, c'est pas par mois, c'est 1,25€ par mois. Et pour ce tarif, t'as accès à tous les shows Bodiesel Wrestling qu'il y a eu sur les dernières années. Et lors de ce show qu'on diffusera vendredi, c'est les meilleurs catcheurs européens contre les meilleurs catcheurs de Game Changer Wrestling, avec des noms totalement zinzin comme Gringo Loco, Senza Volto, Joe Lando, MBMO, Jordan Olivero, Nick Waino et surtout Joey Janello. Bien sûr, tout le match a pas raté. Jacob Vadok contre l'homme invisible, Invisible Man, le catcheur préféré de Domingo. Concours de gifles entre les deux assis là. Pourquoi il a des lunettes de ski? Bah mec, sinon il peut pas voir Invisible Man et Invisible Stan s'il a pas les lunettes. Voilà, vendredi 7 juillet 20h, twitch.tv/tuerie316, déchaînez-vous dans le chat et venez soutenir le catch local, il fait des choses de mieux en mieux et votre soirée n'en sera que plus belle. Ah, c'est bien vendu, c'est pas mal. 6 femmes en lice, une seule pour repartir avec la mallette, Bailey contre Yosuke, contre Zelina Vega, contre Zoe Stark, avec Trish Stratus, contre Becky Lynch, le premier Money in the Bank féminin de l'histoire sans Tati Nati, c'est une stat. 18 minutes de match, on n'a pas attendu la cloche pour que tout le monde aille se tarter à l'extérieur du ring. Globalement, j'ai vraiment adoré ce Money in the Bank féminin qui a brillé à mes yeux par son écriture. Zoe Stark jouait clairement pour Trish Stratus, pas une fois elle ne tentera de décrocher la mallette et on l'a juste vu grimper à l'échelle pour empêcher les autres catcheuses d'aller choper cette fameuse mallette. Trish Stratus, elle a eu des bons face-à-face avec Becky Lynch, mais elle décroche totalement dès lors qu'il faut amener ses trademarks. À côté de ça, on a Bailey et Yosuke qui n'ont pas hésité à se mettre des bâtons dans les roues pendant que Zelina Vega elle courait dans tous les sens. Le rythme était plutôt bon, le suspense était là, une grosse fin de match où Bailey va faire basculer l'échelle où se trouvait Yosuke, il y a deux doigts de gagner. Zoe Stark, elle va mourir un petit peu plus tard sur une impressionnante Sunset Flip Powerbomb de Zelina du haut de l'échelle sur une autre échelle. Trish Stratus, malgré tout, elle aura pris quelques gros bums, dont un Manhandle Slam de Becky Lynch sur une autre échelle placée à l'extérieur. Et quand tout laissait croire qu'on aura un finish entre Bailey d'un côté et Becky Lynch de l'autre, c'est finalement Yosuke qui a surgi de nulle part pour menotter ses deux dernières adversaires en lice, dont Bailey. Et qui s'est hissé en haut de l'échelle pour devenir Miss Money in the Bank. Hein, on ne rêve pas. Yosuke est bien Miss Money in the Bank dans un monde où Asuka est championne à SmackDown. Et bah merci, bah déconnez plus maintenant, incroyable! Waouh! La division féminine du côté de SmackDown, ça régale, hein, entre ça, Charlotte Flair, Bianca Belair, Bailey qui va très certainement se servir de cette fin de match pour step up elle aussi, bah c'est positif. 4 étoiles pour ce match totalement mérité, peut-être mon Money in the Bank féminin préféré. Et ça va être tellement intéressant de voir comment les choses vont évoluer entre Bailey et Yosuke dans les semaines à venir, vraiment c'est du 100% gagnant. Le championnat World Heavyweight, Seth Rollins défendait contre Finn Balor, et là, comme pour le match entre Gunther et Riddle, où Riddle il avait un bandage gigantesque sur la cheville, et ben on avait également là une cible qui était toute faite avec le grand bandage sur le flanc gauche de Seth Rollins. Logique, c'était suite aux assauts de Balor et ses coups de grâce répétés dans les semaines précédentes. Et bien pour un combat où, je le rappelle, il y a eu 7 années de build-up, on a gardé les choses de manière très très simple. 12 minutes 30, c'était correct, pas pire, pas mieux. Et c'est en réalité l'ombre de Damien Priest et de sa mallette qui va influencer la fin de combat. Après un pedigree de Rollins et une situation de double down, Damien Priest va se pointer et mobiliser l'attention sur lui. Déjà, bah, il va attirer l'attention de Seth Rollins, qui va permettre un énorme comeback de Finn Balor avec des shotgun dropkicks, des double foot stomp à l'extérieur. Mais à ce moment-là, Damien Priest, il va distraire Finn Balor avant qu'il puisse porter le coup final, ce qui va permettre à Seth Rollins de conclure avec un stomp et de conserver son championnat World Heavyweight. Tout est parfaitement écrit pour mettre de la zizanie au sein du Judgment Day, et en fait, c'est assez décevant pour Finn Balor quand tu sais qu'il a pas eu son grand combat espéré contre Seth Rollins. Je m'arrêterai seulement à 3,5 pour la note, ça reste pas mal, assez inspirant pour la suite, mais c'est à peu près tout. Et ça servira juste d'étape pour nous écrire la suite de l'histoire. Peut-être un peu décevant, sur le moment. Bon allez, ça y est, hein. Ah ouais, bah, toute l'attention de ce show, c'était sur ce moment précis. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de parler de ce main event. On l'a lu partout, vous l'avez crié, même Triple H l'a entendu. And then of course the bloodline, what is it that you kids call it, cinema? La guerre civile de la Bloodline qui se construit depuis près de 3 ans, quand à l'époque Jey Uso feudait avec ce nouveau personnage incarné par Roman Reigns avant de finalement le rejoindre et de se mettre à son service. J'ai lu, j'ai l'impression absolument partout, qu'on n'aurait pas vécu un tel scénario si Reigns avait perdu son titre contre Cody Rhodes à WrestleMania. Mais si on commence à raisonner comme ça, bah il faudrait jamais qu'il le perde son titre. En revanche, il peut perdre un match et prendre le tombé. Et ça c'est sûr, ça en fera un moment historique. Bon déjà tout de suite j'en parle, mais pour ce match il y a une énorme part qui a été faite par le public londonien pour cette atmosphère totalement folle, quel bonheur.
Ils ont fait une part de travail totalement remarquable, ça chante le thème des Usos, ça conspue copieusement Roman Reigns avec des chants totalement originaux, ça encourage Solo Sikoa parce qu'au fond c'est peut-être un mec cool, et à côté de ça on va donner le ton parfaitement côté WWE puisqu'on va retrouver Kayla Braxton avant le début du match qui va interviewer Kevin Owens et Sami Zayn, qui sont, et c'est pas une surprise, deux immenses artisans de toute cette guerre sans qui on n'aurait jamais connu un tel spectacle. Le cinéma. Et bien justement, parlons storytelling, cinéma, peu importe. WWE fait dans cette histoire tout ce que je surkiffe par exemple au Japon depuis des années. L'attention aux détails que tu retrouves de match en match. Même si un truc paraît anodin il y a 3 ans, et ben il fait sens 3 ans après. Et j'avoue, je parle du Japon parce que ça m'agace un peu des fois de lire sur internet qu'au Japon il n'y a pas de storytelling. Même All Elite Wrestling, je suis obligé d'en parler vu tout ce qui se prennent injustement dans la tronche ces derniers temps. Mais frère, si tu t'investis pas dans l'histoire, c'est sûr que tu vas pas pouvoir accrocher les wagons. La grande storyline de la Bloodline, c'est exactement le même sens du détail. Au moment où t'as par exemple Roman Reigns qui veut pile les Usos, les deux en même temps, comme il l'avait fait sur Bryan et Edge à WrestleMania 37. Ou même là, précisément, quand Jey Uso il se dégage le bras entre les jambes de Roman Reigns, exactement de la même manière dont lui l'avait fait sur Jey Uso 3 ans auparavant. Et bah tout ça, c'est exactement la même chose que quand Will Ospreay il utilise tous les finishers de ceux qui ont battu Okada sur le même Okada en finale du G1 Climax, sans que ça fonctionne pour lui, et c'est ça qui est dramatique. Ou encore quand Tetsuya Naito il martyrise le titre intercontinental après l'avoir remporté, car c'est le même titre qui l'avait privé de Main Event et Wrestle Kingdom des années auparavant. C'est le storytelling. Et c'est sûr, c'est toujours plus engageant quant à la ref que lorsqu'elle te passe au-dessus. Et s'il y a bien un truc magique avec le catch, c'est qu'à l'inverse d'un Hajime Isayama qui écrit l'attaque des titans, le mec il sait exactement où il va en écrivant le tome 1 pour finir au tome 34. Les storylines dans le catch sur du long terme, on s'adapte souvent au jour le jour et ça dépendra toujours des audiences, des blessures, des éclairs créatifs ou des bides intersidérales, on navigue souvent à vue. Et par moments on a de la chance, les wagons se recollent et c'est magnifique et des fois ça se casse la gueule et c'est l'invasion 2001. Puis là on se pose, réfléchissons deux secondes. Si par exemple il n'y avait pas eu de pandémie mondiale, Roman Reigns il aurait certainement pris le titre à Bill Goldberg à WrestleMania 36 et il serait certainement encore aujourd'hui avec un gilet pare-balles. Il se ferait peut-être autant pourrir qu'à l'époque. Quand tu réfléchis bien, il a quand même fallu qu'il y ait le Miz qui éternue trop près de lui pour que le mec se dise « le Covid c'est dangereux, je me casse » et hop, 4 mois plus tard, Thunderdome, le mec se pointe, torse nu, head of the table, Paul Heyman, la Bloodline, les Usos, pas de public et la décision couillue de le garder en poster boy mais en heel et de lui filer un règne bien long pour pimenter chacune de ses défenses de titre. Un règne si long, là on a dépassé les 1000 jours, on n'en a pas vu un tel depuis Hulk Hogan à la WWE, et encore le Kotex, il n'avait rien à voir. Bon, je vais pas refaire toute l'histoire, mais si tu mets tous ces éléments bout à bout et le fait que la Bloodline a su diriger le show, les audiences, en étant en plus de ça un clan badass heel façon NWO, à la différence qu'il n'y avait pas 40 égos compliqués à gérer dans le clan, il y a juste Roman Reigns, lui il est là, il est aux commandes, il est dans des programmes ultra protégés. Tu rajoutes à ça l'époque, les réseaux sociaux, je compte même plus le nombre d'images virales, l'armée des Pepe Reigns, le doigt levé, pas toujours pour les bonnes raisons. Il y a, on est d'accord, un vrai phénomène, mais comme dans tout phénomène dans le catch, eh ben, il y aura forcément un avant et un après. Et ce soir à Money in the Bank, on comprend qu'il y aura fatalement un après. Bon, on va pas tourner autour du pot. 30 minutes de match en termes d'in-ring, c'est Sam comme pas permis. Il y a même Solo Sikoa pendant ce hit qui va nous claquer deux putains de nerfs-vol pendant 40 secondes chacune. 40 secondes à chaque fois de prise du grappin. Enfin même, c'est pour te dire, Yokozuna dans les années 90, il aurait pas osé. Visuellement, derrière, c'est tellement surproduit avec des plombs sur les têtes de Paul Heyman, le sourire de Roman Reigns, que t'as l'impression de regarder un épisode de Dragon Ball Z où il faut 10 plombs pour que Sangohan il se dégage de la prise de l'ours portée par Cell parce que t'attends la dinguerie et le climax de fin d'épisode. Sauf que voilà, Dragon Ball Z, c'est une série totalement dingue qui a marqué tellement de générations. Et Roman Reigns, bah, c'est juste l'arc de Freezer où Goku, il arrive pas à la fin. Et où il y a pas Trunks qui arrive du futur. Là, c'est un scénario alternatif où t'as Zabon et Dodoria qui se rebiffent. Et je vais arrêter avec les rêves manga parce que qu'est-ce qui m'arrive? Bon, tout ça pour dire que les 20 premières minutes de match, y a rien de fou. Non, vraiment, le public, il est juste à fond avec ses chants géniaux. Jay et Jimmy, ils ont passé leur vie à vendre et ça se réveille sur le hot tag de Jay sur Solo où on a le droit à un Jey Uso ultra énergique, n'hésitant pas même à faire des moves de The Rock. Voilà, il a fait la main du peuple, il a craché dedans, paf, une baigne à Solo Sikoa. Deux minutes plus tard, il y a Roman Reigns qui va le calmer avec un Superman Punch, mais sa spear, elle est contrée par une double spear des Uso et le tombé, il sera cassé par Solo Sikoa, et heureusement, parce que sinon, Roman Reigns, il avait perdu le match. Après ça, tout le monde se relève, un gros face-off et hockey fight, merci encore aux Young Bucks et aux Briscoe et à toute la Ring of Honor d'avoir popularisé ce genre de séquence, parce que on n'en voyait pas avant. Jimmy Uso, il a ensuite une grosse séquence sur Roman Reigns avant de tomber dans la guillotine, il va résister, relève avec Jey Uso, mais le ref bump. Le ref
Dans tous les matchs de Roman Reigns, évidemment, le ref bump, le Wendy des Uso, mais comme vous en doutez, bah, y a plus d'arbitre pour faire le tomber. Solo et Reigns, ils vont revenir avec un double Uranagi, Samoan Spike et Spear de Roman Reigns en stéréo, on va empiler les Uso façon WrestleMania 37, et là, oui, bah t'as la ref, hein, Daniel Bryan Edge, et l'arbitre revient à ce moment-là et compte 1, 2, et double dégagement des Uso. Le moment, il est juste fou, là t'as Roman Reigns qui va survendre le désarroi. Solo Sikoa, il voit Reigns limite en pleurs. Ben merde, il a le doute pendant une seconde, il se dit c'est quoi ce chef tribal là qui chiale, mais c'est pas le moment pour flancher là, Solo Sikoa il se reprend, il repart en destruction, il pense se débarrasser de Jimmy Uso à l'extérieur mais c'est lui qui va s'écraser tout seul sur une table, Sikoa il est hors circuit, Roman Reigns il pige à ce moment là qu'il va devoir finir le travail en 1v2, Spear sur Jey Uso, kick out le bras dans les balls. J'en ai parlé le début de la storyline, c'était il y a 3 ans, je vais pas revenir dessus. Derrière, c'est la super kick party. J'en ai compté 6 et c'est suffisant. Jey Uso, il porte le splash. 1, 2, 3. Tout le monde pète son crâne, à commencer par Jimmy, hein, qui est en larmes. Jey Uso a enfin eu son grand moment et Heyman est atterré. Reigns a perdu. Fin du chapitre seulement, mais une fin qui fait terriblement du bien. Rendez-vous vendredi soir à SmackDown pour le procès de Roman Reigns. Et ils rebondissent bien. Hein. Allez, 4 étoiles, 3 quarts. Vraiment, pour le scénario, son exécution, la tête de Roman Reigns en pleurs, la joie sincère de tout le monde, et oui, c'est du cinéma. Bah ouais, parce qu'il y a même un mec qui dit couper à la fin. Comme quoi, le délire, il est total. Jey Uso est donc le premier catcheur à avoir vaincu Roman Reigns par tombée en 3 ans et demi. Et pour la petite info, il est aussi le premier à lui avoir fait le tomber dans le main roster il y a un petit peu plus de 10 ans de ça. Ça aussi, c'est juste pour la stat. Jey Uso doit-il être celui qui doit finir l'histoire? Ou alors est-ce qu'on doit attendre Seth Rollins qui développe une histoire dans un arc parallèle ou la revanche de Cody Rhodes pour WrestleMania 40? Rien n'est figé, rien n'est ancré, c'est là la force ultime de scénario, la vitesse folle de ce train dans lequel on est tous montés. À quoi? Oui, il y a Baron Corbin aussi, ça c'est pour un PLE apparu en 2024. Allez, c'est tout pour moi, pour ce Money in the Bank 2023, vous savez désormais qu'est-ce qui s'y est passé. Merci encore pour votre patience, vous l'avez compris, je voulais faire une vidéo un petit peu plus longue, hein, parce que l'événement le méritait. On se donne rendez-vous pour le SmackDown Recap ce week-end, et le reste se fera sur Twitch, rediffusion sur la corde à linge sur YouTube. Je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, et tout le monde, reste fort, sauf l'Australie. Ah, et moi je peux rester fort? Non mais je m'en fous Michel, la vidéo est terminée. Ciao, bye bye. Et non, il n'y aura pas toi simplement deux. Cause they're 619.